C'est bon, ok. Quelle heure est-il? Il est 21h. Dites-moi si le son du jeu est trop fort ou pas, hein, du coup. Je vais juste bouger le chat parce que du coup, on vous verra pas sinon. Hop. Alors, petite question que je vous pose aussi. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'avoir le chat sur le live ou pas? Ici, là, vous le voyez par là-bas, là. Bref. Merci. La casquette, je suis plutôt fier. C'est la même que celle-ci. J'espère qu'elle est bien faite. J'ai essayé de la faire. Je suis pas du tout dessinateur à la base. Et ça, c'est pas vraiment un dessin très compliqué à faire en soi, mais j'ai un peu chié quand même. Donc voilà, je suis quand même content du résultat, hein, d'avoir ma petite casquette en vrai. Je voulais faire aussi mon pull Dragon Ball, mais ça va être le bordel à faire, je pense. Faudrait que j'essaye quand même. Mais va être très réduit. Alors, du coup, nous sommes le 1er avril, il est 21h, on peut encore vendre des choses. Et il y a en... Alayette vient de fermer, c'est pas grave. Et du coup, qui dit 1er avril dit pour les rediffusions, le chat c'est ok. Oui, non, c'est vrai, pour les rediffs, c'est cool, c'est vrai. Du coup, qui dit 1er avril sur Animal Crossing dit arrivée de l'événement Pâques avec Albin le lapin, qui nous a donné comme mission de récupérer des œufs de Pâques. Alors j'en ai dans mon inventaire. Il y a 6 types d'œufs. Il y a les œufs aériens, boisés, terrestres, aquatiques, minéraux et feuillus, qui se trouvent chacun dans un endroit différent. Ça, c'est les arbres. Les pierres, l'eau, évidemment. Terrestre, c'est... Attendez, terrestre, c'est... Ah oui, pardon, c'est dans le sol, effectivement, comme les fossiles. Boisé, c'est quand on casse, quand on coupe du bois. Et aérien, c'est avec les petits ballons qui passent parfois. On a aussi des plans à récupérer pour pouvoir construire des choses. Alors, j'en ai pas encore, vous inquiétez pas. Enfin, j'en ai un. C'est pas du spoil parce que j'en ai vraiment eu un seul, celui qui m'a donné. Bon, même deux, pardon, effectivement. Lampe faite des œufs et lit faite des œufs. J'en ai pas d'autres, donc on va découvrir ça tous ensemble. Je compte ce soir, du coup, essayer de trouver un peu des œufs, choper aussi les insectes du mois que j'ai pas encore chopé. Lui, je sais pas si c'en est un nouveau ou pas. Si j'en ai chopé quelques-uns, les insectes, c'est les poissons, pardon, que j'ai pas encore chopé. Papillon de nuit, bah non, c'est juste un papillon de nuit. Et il y a aussi, n'hésitez surtout pas à choper aussi les hop, feuilles de cerisier, pardon. Ok, yes, super, très bien, c'est parfait. Pas du tout réussi à l'attraper. N'hésitez pas à les attraper aussi parce qu'il y aura du craft à faire avec. Apparemment, j'en ai pas encore, en tout cas chez moi. Voilà. Si jamais quelqu'un veut à un moment donné jouer avec moi Animal Crossing, je ne dis pas non. Alors attendez, normalement j'ai une petite commande pour mon code ami et qui ne marche pas du tout. Alors. Code ami, voilà. C'est s'il veut bien marcher. Ah, j'allais dire, ça marche super bien. Voilà, c'est mon code ami. Ajoutez-moi si vous voulez qu'on joue ensemble sur votre île. On pourra. Sur la mienne, j'ai pas trop envie. Parce qu'on va la voir tout le long du live en fait. Donc, si vous voulez qu'on aille découvrir vos îles, je veux bien, ça ne me dérange pas. Ça m'arrange même. Un petit hop, ballon juste ici. Et au fait, pour info, je voulais juste vous prévenir, on ne joue pas avec Romain. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous voulez souhaiter bon anniversaire, je lui dirai que vous lui avez tous souhaité. Même si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lui souhaiter. Il y a encore un ballon, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a deux ballons là. Hop là, tranquillou. Est-ce que j'ai des choses à vendre tout de suite pour être tranquille? Oui, je vais aller vendre ce que j'ai à vendre. Comme ça, j'aurai l'inventaire tranquillou-bilou. Je vais juste faire un tweet pour dire qu'on est passé sur Animal Crossing. J'y ai pas pensé. Hop. On passe sur. Horizons. Si vous avez Twitter et que vous voulez RT, ça ne me dérange pas, ça m'arrange largement. Twitch.tv slash switch actu. Voilà, je voulais juste faire ça. Je vais le retweeter avec mon compte perso. Et c'est parti, voilà. Je vais aller vendre du coup les quelques bricoles que je peux avoir à vendre. Qu'est-ce qui t'aime? Achète-moi des trucs, je vais te vendre tout ça, mon coucou. Alors, ah ouais, mais est-ce que j'ai tout donné? Oui, celui-là, je l'ai donné. Oui, c'est sûr que je l'ai donné. Bon, les branches d'arbres et tout, on va les vendre, hein. On va pas faire les difficiles. Même l'arbre, allez, je m'en fiche. Ah, le sphinx, je l'ai pas remis. Pardon, excusez-moi. Chemise de lit, je m'en fiche. Et bidon métallique, j'ai envie de dire que je m'en fiche. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Je vais boire un coup d'ailleurs. Oui, c'est parti. Alors, pour info, j'ai pas fait de time travel, sauf le premier jour. C'est pas vraiment du time travel. En fait, j'avais fait une connerie, c'est-à-dire que j'avais mangé plein de fruits. Et je comprenais pas pourquoi est-ce que mes pierres se cassaient quand je tapais dedans.
Du coup, bah, j'avais plus aucune pierre sur l'île et je ne pouvais pas avancer. Et comme je venais d'avoir le jeu, que j'avais pas envie d'arrêter au bout de 15 minutes de jeu à peu près, je me suis dit, bah tant pis, j'avance au lendemain. J'avance au lendemain, je suis revenu au jour J pour pas changer de jour quoi dans le jeu. Et depuis, je n'ai pas retouché au jour du jeu, évidemment. Je joue au jour le jour, je ne tiens pas compte du monde autour. Alors par contre, juste, j'ai une maison à placer. Je ne sais pas du tout où faire ça parce que j'en ai déjà partout. J'ai pas encore mis sur le haut de l'île, sur tout en haut. Je vais aller mettre une maison tout en haut, enfin une maison, un emplacement à placer pour ceux qui n'ont pas encore joué jusque là-bas. Désolé, c'est un peu du spoil. Oh. Je sais pas si je vais durer très très longtemps ce soir, je vous avoue, je suis plutôt crevé. Oui, je sais, c'est le confinement, je ne travaille pas. Et alors, je suis quand même fatigué. Oui, c'est parti. Non, je voulais pas imaginer. Et voilà, bah, c'est ce que je voulais pas faire. Je voulais pas trop vous montrer ce que c'était, mais c'est pas grave. Ah oui, non, ça va, bon. Bon, c'est pas grave. Si je vous ai spoil, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Espèce de gros connard. Ok. J'ai envie d'aller, pardon, excusez-moi, sur une île aussi pour tester la technique des tarentules. Il y a une technique qui voudrait que, en vidant une île à mono-étage, enfin sans étage plutôt, une île, les îles insulaires avec un seul étage, si on la vide entièrement de ses arbres, de ses fleurs et c'est plus ou moins tout, et ben on pourrait faire une île aux tarentules. J'ai essayé une fois, mais en fait il était 18h55. Et même si j'ai fini mon ménage après 18h, ça n'a pas marché, je n'ai pas eu de tarentule. Donc j'aimerais bien essayer aujourd'hui sur une île, à voir ce que ça donne. Ah, les ponts, c'est vraiment génial, c'est beaucoup plus pratique que cette putain de perche. Je vais... Vous savez quoi, on va faire ça tout de suite, ce sera fait. Je vais ranger tous mes œufs. Je sais pas si on peut en trouver des œufs sur les îles insulaires, j'ai pas encore... Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup joué, à part le temps de récupérer ça quelques œufs, mais ça allait très très vite. Gopiller les ressources d'une pauvre île qui a rien demandé. C'est ça, non mais c'est de la déforestation, hein, ce système. Ah, écoutez. J'adore cette musique que j'ai chopée chez Nook. Je coupe mon micro juste pour que vous l'entendiez bien. Bon voilà, je kiffe cette chanson, c'est ma préférée de Kéké pour l'instant. Je vais me faire quand même un petit peu de matos, c'est-à-dire une hache de pierre et une pelle qui vont me servir pour l'île. Alors, hache rudimentaire, ah oui, non, pardon, une hache rudimentaire. Alors, il me faut des branches d'arbre et de la pierre, et ici, pardon, et ici, attendez, il faut quoi déjà pour celle-ci? Il faut aussi du bois, pardon, donc branches d'arbre, pierre et bois dur. Le nom de la ZIC, attends, je te le dis tout de suite du coup. C'est. Attention. Kéké le vernis. Lucky Kéké. Sur YouTube, Allié, j'allais chercher Allié sur YouTube. Ce sera écrit Animal Crossing, let's go to the city, je crois. Je crois que ce sera sur celui-là que ce sera écrit. Du coup, il me fallait, pardon. Merco de rien. Alors, bois dur. Il me faut aussi du bois normal, des branches d'arbres et de la pierre qui est juste ici. Marco, non mais t'inquiète, j'avais compris. Et aussi je vais me faire un remède parce que j'ai la tronche piquée. Donc c'est mieux d'avoir un petit remède. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui. Des mauvaises herbes aussi. Hop. Et je vais me faire tout ça tout de suite. Est-ce que ça fonctionne bien le live? Parce que je sais que la dernière fois j'avais pas de sélecteur de qualité et donc plein de gens n'ont pas pu regarder, donc si vous est-ce que vous pouvez changer la qualité de ce live ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier du coup. Alors je vais faire ma petite pelle, allez plus vite plus vite plus vite, ça c'est extrêmement long, je farme les, non tu peux pas, ah merde, j'espère que ça va pas trop être gênant pour les gens qui n'ont pas une connexion de ouf. On verra bien. Du coup, je farme totalement
les appâts pour poissons en ce moment. Et le problème, c'est que du coup, c'est extrêmement long à faire. Dans la fois, j'en ai fait 23 d'affilée. Et bah, ça prend du temps. Parce que, en fait, bah, enfin, je laisse ma Switch sur le côté. Merde, j'ai oublié les pépites de fer. Je laisse ma Switch sur le côté et je fais pendant 5 minutes comme ça minimum pour faire tout ça, pour pouvoir faire tous mes appâts, pardon. Alors qu'il serait bien plus simple d'avoir un. Combien d'appâts voulez-vous faire? 25? Ok, on vous les fait, super. Ce serait quand même beaucoup plus pratique. J'en veux pas une, j'en veux un peu plus que ça. J'ai l'air tout petit quand même sur mon truc là. Hop, c'est mieux, non? Ouais, c'est un petit peu mieux. Peut toujours rigoler quelque chose, évidemment. Évidemment. Alors, ma petite hache. Et je vais faire aussi du coup ma petite pelle, hop, en fer. Qui est juste ici. Je le fais juste parce que je sens que je me retrouvais à court d'un des deux pendant la petite exploration de l'île. Comme ça m'arrive tout le temps. Et du coup, oui, pardon, mon remède aussi. Ça, le problème, c'est que si je me fais piquer par une abeille pendant le truc, ça va me saouler de revenir encore au début. C'est pas très gênant en soi, mais. J'en ai marre d'avoir une tronche de mec qui se fait piquer, quoi. Hop, remède. Et je vais le manger. Évidemment. Hop, avaler. Et voilà, je me sens beaucoup mieux. Alors, ça, normalement, ce que j'ai sur la tronche, c'est une triforce inversée. En fait, ma ville s'appelle Lorule. Et du coup, j'ai essayé hier de faire une triforce inversée, mais elle rend pas très bien. Elle est juste ici. Elle est pas super bien faite. Surtout qu'on dirait plus du chocolat qu'autre chose. Donc, il va falloir que je la refasse. Peut-être la refaire après, je sais pas trop. Si ça vous botte ou pas de faire ça en live. Mais par contre, sur ma tronche, ça fait un peu peinture de guerre, du coup, ça me fait rire. Et si vous voulez ma casquette, on sait jamais si vous voulez avoir la même casquette que moi. Sur mon Twitter, je l'ai mis le code. Il va falloir que je le mette à jour parce que je l'ai remodifié un tout petit peu entre deux. Donc voilà, elle est accessible évidemment, gratuitement. Évidemment. Je vais quand même pas faire payer pour ça, sauf que c'est pas possible. Hop, j'entrepose tout le reste. Non, pas lâcher, bon c'est pas grave. Ça restera par terre pour l'instant. J'ai donc mes deux haches, mes deux pelles. J'ai deux cannes à pêche aussi. C'est parfait. Faut pas la retirer de favori, non? Ok. Eh bien, on va partir sur une île insulaire. Je vais d'abord aller acheter mon ticket en Nook Miles. Et on va y aller. J'espère une île sans étage. Comme ça, je pourrais essayer en tout cas d'en faire une île aux tarentules. Et me faire un max de blé. On va aller acheter ça. Ils font leur petit rangement là-bas. Ils sont toujours en train de faire des rangements. Hein. Ah non, des fois ils font du sport, c'est vrai, si vous le ménagez. Échanger des mails Nook. Alors attendez deux petites secondes. Hein. Oui, j'ai trop de notifs sur mon téléphone, c'est chiant. Hop. Voilà. Alors, ticket Nook Miles 2000, ça fait. Ouais. Je trouve que j'ai un peu de mal déjà à choper des Miles Nook. Bon, vous voyez que j'en ai 22 000 quand même, mais c'est moins rapide qu'au début. J'ai peur que ce soit trop limité un jour. On verra bien. Allez, c'est parti pour l'aéroport de Lorule. J'aime beaucoup aussi mon petit sac à dos Nook. Voilà, sachez-le. Je trouve très joli ce petit sac à dos. C'est parti pour une île insulaire. Je vais vous faire de l'ASMR. J'espère que le son du jeu est pas trop fort parce que une fois j'ai mis le son trop fort et on m'entendait plus du tout parler et personne n'a remarqué. C'est extrêmement triste ce que je dis. Allez, c'est parti. Je pense que 22 h max. Je vais arrêter. Je vous préviens tout de suite hein, parce que je suis fatigué. Il y a du monde sur live mais pas grand monde qui parle. Du coup, je suppose que c'est parce que le Twitch est sur le site. Et c'est un peu tout. Allez, je veux voyager. Ouais, c'est parti avec le ticket Miles Nook. Je suis prêt, j'ai tous mes outils, monsieur. Oh, pas. Eh ben. Rodrigo.
Alors attention, j'espère qu'il n'y a pas d'étage. Il y a un étage, je fais chier. Je pourrais peut-être pas. Par contre, il y a des cerises, du coup, ça va quand même me rapporter de l'argent. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a des cerises. Mais il y a un étage. Du coup, bah, ce sera une île normale, hein, à base de pêche et de récupération de fruits. Hop là, ça va être un bar commun, je le sens. Exactement, un bar commun. Un bar tout court, pardon, excusez-moi. Alors, on va sortir la hache et on va commencer El Carnaggio. On va quand même couper tout, hein. Après ça nous permet de récupérer tout d'un coup sans s'embêter. Ah, j'ai récupéré un petit peu de Nook Miles. Hop, 400 Nook Miles, ça se prend. Je n'ai rien débloqué d'autre là, non. Ok. Et du coup, ouais, voilà, j'espère aussi faire une petite razzia d'œufs en faisant ça. Ça m'arrangerait un petit peu. Et parce que du coup, oui, il me semble que les transformer une île en île à tarentule, c'est uniquement sur les îles sans étage. On va voir pour essayer quand même sur cette île. Je vous promets rien, mais je sens qu'on va perdre notre temps du coup à essayer ici. Donc faut récupérer toutes les fleurs, tous les. Après j'ai la flemme de ouf, je vous jure. Parce que ça prend vraiment du temps à transformer et je suis pas sûr du tout du résultat. Du coup bah ouais, je sais pas si je vais le faire. Hop. On va passer à l'appel pour ça. Alors, normalement, je suis censé faire comme ça, mais j'arrive jamais trop à le faire. Moi, si j'ai pas une falaise derrière qui me retient, j'arrive pas trop à faire ce truc. Ah, si, là, je vais quand même être plutôt droit, je pense. La technique, en fait, c'est que normalement, une pierre peut permettre d'avoir 9 items. Et généralement, si on le fait en bougeant un minimum, donc en reculant au fur et à mesure, on n'en rendra que 8 maximum. Quand vous tapez la première fois dans la pierre, il y a un faute, il y a un timer virtuel, en l'occurrence, qui se met en route. Qui n'est pas visible, mais il y a quand même un timer. Et si vous avez dépassé le timer, vous n'aurez pas d'autres objets. Donc voilà, la technique c'est de ne pas bouger du tout en fait, et de marteler le bouton. Et là, excusez-moi, ça fonctionne. On va voir si j'y arrive à nouveau. Faut bien se positionner en fait derrière le trou. Normalement, il y a une technique en fait, en faisant comme ça, on a encore moins de chances de bouger. Mais le problème c'est que bah, du coup, ça enlève aussi une case pour un objet. Ce qui fait que du coup, on ne pourra pas avoir l'objet. Ah là, je vais bouger un peu sur le côté. Non, même pas. Non, ça a l'air d'aller. Si je bouge un petit peu sur le côté, ça va être compliqué. Ouais, je pense pas. Et voilà, putain, je m'en doutais. Bon, c'est pas grave, j'ai raté. Je découvre un monde qui m'était inconnu. N'empêche que, tu vois, c'est un jeu très, très kiki, très joli, tout ça, comme ça. Mais bon, évidemment, ça l'est, hein, je vais pas te dire que ça l'est pas, mais c'est aussi un jeu extrêmement complet avec toutes ces petites opties, etc. Genre le fameux coup de la. De l'arbre à clochettes, si tu chopes un trou spécial, tu peux mettre des clochettes dedans, ça repousse, ce genre de choses. Et aussi, évidemment, hop, la petite optie dont je parlais juste avant pour créer une île à tarentules. C'est vrai que toi, tu connais pas trop Animal Crossing, mais les tarentules dans le jeu se vendent 8000 clochettes. Ce qui est assez conséquent en soi, quand on a plusieurs à vendre, ça peut te remplir vite le compte en banque. Et du coup, tu peux rembourser vite tous tes prêts. Les prêts servent à faire des ponts, enfin, ta propre maison, à l'agrandir, à faire des infrastructures et aussi simplement à décorer la ville, etc. Ah tiens, il y a un petit personnage, j'avais pas vu lui. Oh, il est trop mignon en plus. Oh, il est trop beau. Ah, je le veux carrément sur mon île. Salut Régis. Un cerf itinérant, mais attention, jamais sans mon jet. Ah yes. Et toi, tu amènes de l'orule, c'est ça? Restons ensemble si tu veux bien. Ok? Pas de soucis. La bien sûr, c'est pas pour me déplaire, cette quiétude est sans pareil. J'aimerais vraiment m'installer ici. Viens sur mon île. Suis ton île, tu parles de l'orule, c'est bien ça? C'est à peu près. Ah merde, j'ai pas vu la suite. Pour venir ici, j'ai dû décevoir bien des fans déjà. Accepteront-ils un tel bouleversement, Wapiti? C'est un Wapiti? C'est pas un Wapiti du tout. ouais, et ben moi je veux bien que tu viennes sur mon île. Parce que t'es vraiment trop kiki. Et je te kiffe déjà. Donc vraiment demain, il sera en emménagement sur mon île si tout se passe bien. Mais on va quand même continuer. Le carnage, il faut pas déconner, on n'est pas là pour attendre. Et du coup, oui, voilà, je suis en train de récupérer quelques œufs. Hein. J'en ai déjà pas mal là pour les œufs. Ouais. On va les mettre en bas à droite pour bien les voir. Je sais pas, en fait, je vous avoue que j'ai pas encore regardé trop les plans que j'ai que deux. Et j'en ai pas d'autres. Donc je sais pas encore s'il en faut vraiment beaucoup. Ou si une dizaine, vous voyez, ça permet déjà de faire de commencer à faire quelque chose. Mais vu que l'événement dure 12 jours et qu'on en a quand même pas mal, soit ils pensent aux gens qui n'ont pas le temps de jouer tout le temps. Soit voilà, il faut beaucoup d'œufs pour faire un craft quoi. Mais ça, on le verra bien tout à l'heure. J'espère récupérer des plans de bricolage pendant que vous êtes là. Enfin, pendant le live, ça m'arrangerait. Comme ça, on pourra voir ça ensemble.
Alors, si je prends toutes les cerises aussi, c'est parce que mon île est une île à oranges. Du coup, les oranges se vendent très peu cher, je crois que c'est 150 clochettes. Alors que les cerises vont se vendre 400 ou 500 clochettes l'unité, ce qui est déjà beaucoup plus. Et ça va me faire gagner un max de thunas. Je suis à combien là? On peut stacker par 10, du coup ça en fait déjà 33. Ça fait déjà un peu d'argent quand même, hein. On va pas se mentir. On va refaire la petite technique, hop, d'optimisation. Mais du coup, en fait, ça me paraît déjà. Hop. Tu récupères aussi des planches. Oui, effectivement. Les planches, alors les planches, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de bois dur que de bois tendre et de bois tout court. Putain, merde, du coup, je vais rater, je suis con. J'avais pas réussi juste avant, je recommence comme avant. Ok, ça va, j'ai quand même réussi. J'ai énormément de bois dur, j'ai très peu de bois et j'ai pas mal, entre guillemets, de bois tendre. Mais je récupère souvent beaucoup plus d'autres bois que le bois normal. Après, le bois normal aussi, c'est celui qui est utilisé le plus pour l'instant, pour moi en tout cas, des crafts que je fais. Et le bois dur, ne me sert qu'à faire des pelles quand je les achète pas, quoi. Donc, pour l'instant, il sert à rien du tout. Ah, cool, ça y est, j'ai eu le petit plan. J'ai récupéré assez d'œufs pour avoir un plan. Alors, c'est quoi ce plan? Ah cool, donc j'ai les vêtements, ça y est, coquille d'œuf boisé, tenue œuf boisé. C'est drôle, on va les faire après. On va avoir l'air bête, mais ce sera quand même rigolo. Il y a quand même masse cerise par contre, hein, c'est cool. C'est assez rare aussi, entre guillemets, de tomber sur des îles où il n'y a pas... Salut banane de l'espace. Ah bah du coup, vu que j'ai plus de son, je vois pas, excuse-moi. Alors, excuse-moi, Michimirshan, si c'est bien ça dans ton dos, je suis désolé, je ne t'avais pas vu du coup, parce que je n'avais plus de son, comme un gros débile. Du coup, merci beaucoup d'avoir follow et merci aussi Banane de l'espace de nous avoir follow. C'est très très cool. Merci beaucoup, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Surtout en ces temps de confinement, je me sens moins seul à jouer à Animal Crossing en live. Hop. Enfin, je dis ça, il y a énormément de gens qui font du Animal Crossing en live en ce moment. C'est assez insane. Même des streamers et streameuses que je suis d'habitude qui ne font pas du tout ça se mettent à Animal Crossing. Par contre, c'est très cool parce que du coup, ça permet d'en voir beaucoup. Je pense à Livia qui fait à la base du. World of Warcraft qui est passé sur Animal Crossing récemment. Il y a aussi Kao qui en a fait. Alors je l'ai pas vu faire beaucoup, mais en tout cas là on a fait. Avamind aussi, alors là. Enfin, je vous parle de noms, vous les connaissez peut-être pas, mais. La dernière donc, que j'ai citée, c'est vraiment pas du tout son style et ça me fait rire du coup qu'elle y joue quand même. Je rêve de faire des featuring avec les streamers et streameuses que j'apprécie. Antoine Daniel aussi. Oui, putain, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai passé ça sur YouTube, pas en live. Je sais pas si je le suis, Antoine Daniel. Mais en tout cas, j'ai vu un truc sur YouTube, quelqu'un qui parlait de ça. Et Antoine Daniel qui fait du live sur Animal Crossing, ça me fait vraiment délirer parce que il a vraiment créé avec les. Comment on appelle ça? Les. C'est pas What the Cut? Si, c'est What the Cut. Avec ce What the Cut, il s'est créé un peu une image de gros geek un peu pervers. Alors, je suppose qu'il est pas du tout comme ça en vrai. J'espère pour lui. Et du coup, c'est quand même très drôle. Quand je dis pervers, c'est pas pervers sexuel, c'est juste pervers. Comment dire, je sais pas comment. De la perversité. Je sais pas comment expliquer ça. Mais bref, c'est pas sexuel. Hop, je vais faire bannir de Twitch avec des mots pareils. Attention, les mots bannis. Est-ce que je vais encore avoir un œuf? Oui, cool. Je pense que ça va être, avec les œufs de terre, ça va être les plus chiants à trouver, je pense, les œufs minéraux. Parce que c'est qu'une fois par jour sur la pierre de son île, faut aller farmer après des îles insulaires. Ah bah encore un, cool, j'ai encore récupéré un truc. C'est vraiment cool ça. Ah oui d'accord, ok. En fait je vais débloquer tous les vêtements au fur et à mesure de chaque œuf. Très bien. Pas très diversifié cette histoire, mais enfin c'est quand même bien. Encore un œuf. Hop, un œuf terrestre ici. Et ce sera soit un fossile, soit un autre œuf. Merde. Ah c'est pas possible. Ok, un autre œuf, c'est cool. C'est très cool. Et il me semble que du coup je n'ai plus d'arbres à couper. Non, j'ai plus. J'ai combien de cerises là du coup? Waouh, j'ai 57 cerises. C'est pas rien. Et du coup, on va aller faire quoi? On va aller choper. Alors, est-ce qu'il y a. Alors, vu que j'ai coupé tous les arbres, je sais pas s'il y aura encore beaucoup, beaucoup d'insectes présents. Je sais que j'en ai fait fuir un juste avant, mais je m'en fiche en fait, c'était un insecte pas cher. Salut, tu auras 3 plans à chaque catégorie de chaque œuf. Ouais, bah c'est ça du coup. C'est pas, comme je dis, c'est pas très diversifié du coup parce qu'ils se ressemblent tous, mais c'est quand même rigolo. Et j'ai hâte aussi d'avoir les plans de meubles. Ah voilà, hop, là j'aurai sans doute un plan aussi. Après, ce sont les œufs terrestres. Ouais bah oui, c'est ça.
Message en bouteille, c'est quoi? C'est un œuf, non? Ce plan de bricolage est apparu dans mon esprit pendant que j'attendais que ma pizza cuise. Je pense qu'il mérite d'être partagé alors que je l'ai embouteillé, c'est pas compliqué à faire. Table carré naturel. Ah bah ouais, super, je l'ai déjà. Très sincèrement, hop, je vais le lâcher parce que je m'en fiche du coup vu que j'ai déjà et je suis pas sûr que ça coûte très cher. Je préfère utiliser mon espace pour d'autres choses. Je me suis trompé de bouton. Je vais aller chercher cet arbre-là. Ensuite, je vais pêcher. Voir quels poissons sont sur cette île. Si c'est des bars, ça ne sert à rien. S'il y a un peu plus de diversité, ça peut être cool. Surtout que j'ai pas encore chopé les poissons d'avril, les nouveaux poissons d'avril. Et je les ai pas encore attrapés. Je me suis préservé de ça pour le live. Non, j'ai fait partir un truc que j'avais pas, je crois. Je l'avais pas vu du tout. Bon. Bah, c'est pas grave. Alors. Qu'est-ce que. Ok, super. Qu'est-ce que ça va être comme poisson? Et oui, du coup, les eaux terrestres, oui, c'est, je pense que ça va être effectivement les plus chiants parce que bah, il n'y en a pas beaucoup sur l'île. C'est le même principe que les eaux minéraux au final. On n'a pas indéfiniment, alors que dans les airs, ça peut popper un peu tout le temps. Dans les arbres, c'est un peu pareil, il y en aura beaucoup. Alors que les autres, c'est un peu compliqué. Je vais voir ce que c'est là-haut. Et du coup, ouais, j'ai peur que ce soit une île à bar commun, comme ça m'arrive à peu près tout le temps. Ces fucking bars communs, là, je commence à en avoir marre. Ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu tous les poissons du mois de mars. Le Day You, je l'ai eu le 28 ou 29 mars, je crois, j'ai eu un peu de chance. Une loge des temps. Mais sinon, j'avais essayé d'en former d'autres, mais genre le thon, impossible à l'avoir. Ah, il y a un truc dans le sol aussi. Bon, vas-y, j'ai un peu la flemme d'aller chercher, il coûte que dalle. Le thon, je l'ai pas du tout eu alors que j'ai farmé, j'ai mis énormément d'appâts. Lui, j'ai déjà, c'est pas là. Énormément d'appâts sur les zones où ils sont censés pop et pff, impossible de le trouver. J'ai retrouvé le marlin bleu. Le marlin bleu, en fait, j'avais déjà trouvé, mais comme un con, je l'avais vendu. Du coup, je n'ai pas pu le donner au musée. Mais ça va, j'ai trouvé une deuxième fois. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, le thon, comment on appelle ça? La truite dorée aussi, j'ai pas. Le macroponia, je sais pas quoi, le tout petit, là, je l'ai pas non plus. Il y en a quand même quelques-uns. Bah, c'est les plus rares, en fait, que j'arrive pas à choper. Évidemment, c'est logique. Oh cool! Ah bah ça c'est trop cool par contre. Oh elle me fait de la peine par contre la tortue, je vous jure. Elle me fait vraiment de la peine. Je vais la garder évidemment pour le musée. Par contre j'ai appris aujourd'hui de par ma copine que cette tortue, si on la met dans une maison, eh ben elle marche dans la maison. Du coup c'est complètement kiki. Ah merde! Ah, c'est pas grave. Et du coup, je vais essayer d'en trouver une autre pour la mettre dans ma maison. Alors ça va être un œuf, je le sens. Eh non, une loge d'étang. Je suis très nul en devinage de ce qui va être dans l'eau. Parce que je pêche que de la merde. J'ai hâte aussi qu'on ait les poissons d'été. Attendez, je me concentre un petit peu. Il est chiant lui. Ok. Les poissons d'été qui sont quand même beaucoup plus jolis et beaucoup plus. Il y en a plus des chers, il me semble, tous les requins et tout le bordel. C'est relativement cher. Et j'ai hâte qu'on soit en été du coup. Sinon, il y a toujours la technique hein, de faire. Enfin. La technique entre guillemets. Je pourrais très bien en fait faire un deuxième compte avec le jeu sur ma Switch Lite, mais. La technique est chère, c'est-à-dire qu'il faut deux consoles, deux jeux et deux abonnements Nintendo Switch Online pour s'échanger les trucs. Non, si, parce qu'on peut pas les envoyer. Ouais, bref, bref, oubliez cette connerie. C'est un truc auquel j'ai pensé, mais c'est beaucoup trop cher. Juste pour avoir des fucking poissons en avance. Ça ne sert absolument à rien. Hop, n'empêche que depuis tout à l'heure, je chope des poissons. À part la tortue, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Je vais les remettre dans l'eau, hein, parce que j'ai pas envie de niquer mon inventaire pour ça. Hop, c'est pareil pour les fleurs, je vais les poser parce que je m'en fiche, je les avais pris en pensant faire l'île aux tarentules, mais ça sert à rien. Hop, ça dégage aussi. Non, pas en retirer un, bon, c'est pas grave. Lâcher et lâcher, c'est tout, il me semble, le reste ça se vend. Les pierres, je m'en fiche un petit peu, j'en ai beaucoup. Hop, c'est parti, on va continuer à pêcher. Si j'y arrive, voilà. Je vais juste boire un coup en même temps.
Je regardais quand même l'écran, on sait jamais. Ah yes, tout ça pour une chaussure. C'est parfait. Je vais clairement la tège. Alors oui, j'ai totalement déforesté l'île et en plus je jette mes déchets. Je n'en ai absolument rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est virtuel. Voilà, c'est tout. Je ne vais évidemment pas aller sur des îles que je ne connais pas dans le monde pour aller les déforester et aller foutre mes déchets dessus. Non, c'est pas cool. Yes! Une deuxième tortue. Pardon, j'écris un peu fort. Celle-là, elle sera chez moi. Je pense pas qu'elle soit très chère. Vous savez quoi? Je vais aller voir le super guide qui a été publié sur Switch Actu. C'est vraiment. Les gens qui ont fait ça, c'est. Waouh! Des génies. Le guide des poissons d'avril. Combien coûte. Ça fait du bruit, cette. Truc-là. Combien coûte la tortue? La tortue est à 5000 clochettes. Eh ben, elle est censée être rare. Elle a pas l'air si rare que ça, hein. Elle a pas l'air si rare que ça. C'est le macropina que j'ai pas eu. Alors là, ouais, voilà, je veux dire ce qui me manque. Il me manque. Le cyprin doré, est-ce que je l'ai eu? Il me semble pas. Bah attendez. On va aller voir directement dans la bébétopédie. Le cyprin doré. Non, le cyprin doré, je l'ai pas eu. Hein. Non, 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 j'ai pas eu le cyprin. À droite peut-être? Non. J'ai pas eu le cyprin doré. J'ai eu le solacanthe. Je sais plus comment on dit, je l'ai eu plein de fois par contre. Écrevisse, je l'ai pas encore eu. Fondue le barré, je l'ai pas encore eu. Gobie de douce, oui. Guppy, hippocampe, je l'ai pas encore eu. Macropina, je l'ai pas eu. Le marlin bleu, je l'ai eu. Le néon bleu, je l'ai pas encore eu. C'est un nouveau aussi. Le poisson chirurgien, je l'ai pas encore eu. Le poisson clown, poisson papillon, poisson scorpion, pareil, c'était nouveau. Le ranchu, je sais pas comment on dit, je l'ai pas eu. Le thon, je l'ai pas eu. Et la truite dorée, je l'ai pas eu. Il m'en reste quand même beaucoup encore à avoir. C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe, le Doxan? Qu'est-ce que j'ai fait? Je kifferais avoir des petites émotes quand même sur le chat, parce qu'au final, on est affilié, mais toujours pas profiter pour faire des émotes. Alors, les faire, ça va être compliqué, hein, quand on voit déjà le Triforce de ma ville. Par contre, on pourrait, avec l'assaut, les acheter à un designer. Mais j'ai pas d'idée, en fait, ça ne vient pas. Je sais pas quoi faire comme émote, donc je ne veux pas me forcer à en faire qui ne plairont pas forcément aux gens. Mais voilà, si un jour je tombe sur des qui me font kiffer quand même, pourquoi pas, quoi. J'ai participé à un concours sur Twitter avec mon compte perso là pour en gagner. Bon, je gagnerai sans doute pas, mais ce sont des emotes Animal Crossing, et elles sont trop jolies. Et du coup, même si je perds, je pense contacter la personne qui les fait pour potentiellement lui demander si elle est dispo pour en faire d'autres. Bah, une petite mascotte, en fait, le problème, pour pas te mentir, c'est que la communauté qu'on a sur Twitch est pas très active. C'est-à-dire que là, on a 50 personnes parce que le lien, enfin, le Twitch est sur le site. Mais comme tu le vois, il y a quelques personnes hein, toujours qui sont là, mais il n'y a pas énormément de gens. Et c'est compliqué du coup de se créer une petite mascotte ou quoi sans la vie des communautés. Tu vois, j'ai du mal à l'imposer un peu aux gens. Joy-Con qui drift. Oui, ça peut être rigolo par contre. Mais tu vois, c'est pareil, il faut absolument demander à un dessinateur ou une dessinatrice, mais c'est parce que je serais incapable de dessiner un Joy-Con qui drift. Par contre, en vrai, alors je sais pas si c'est réalisable, tu vois, sur un si petit truc, parce que c'est quand même tout petit, une émote, mais un Joy-Con qui drift dans un kart Mario Kart, c'est quand même très très drôle. Mais faut savoir le faire, parce que c'est le bordel. Hop, je fais des conneries. J'ai encore beaucoup d'espace. Bah oui, on va remplir ça, hein. Je valide. D'ailleurs, le Joy-Con Drift, je l'ai eu pour l'instant. Je touche du bois, mon bureau est en bois, je crois. Je l'ai eu qu'une fois sur un. Ah, barcode. Sur mes premiers Joy-Con, mes Joy-Con d'origine. J'en avais racheté entre-temps. Ils avaient drifté au bout de peut-être 2 ans, je dirais. Et depuis, mes nouveaux Joy-Con n'ont pas drifté. Mais ils commencent à faire un petit bruit de ressort. Et du coup, j'ai un petit peu peur qu'il faille les changer bientôt. Mais bon. En fait, j'essaye de prioriser au maximum. Putain, je suis trop con. Au maximum la mallette pro maintenant. Qui, elle, a l'air de tenir bien mieux. J'en ai quand même acheté une deuxième parce que voilà, 2 mallettes pro, c'est toujours mieux qu'une. Mais voilà. Et bah, la mienne, les deux l'ont eu. Eh ouais, putain, c'est chaud quand même. C'est vraiment abusé cette histoire. Autant j'arrive à défendre Nintendo sur beaucoup de choses, hein, beaucoup de conneries qu'ils peuvent faire, mais là, autant de Joy-Con Drift. C'est pas de leur faute s'il y a un problème de fabrication, c'est juste qu'ils ont vraiment fait les bâtards à ce niveau-là, quoi. Ils font traîner ça en longueur, ils se foutent un peu de la gueule des joueurs, c'est vraiment malheureux. Je me concentre. Hop. Je joue à ce match avec. Oui, mais tu vois, c'est pas une raison. Techniquement, tes manettes, tu les utilises pour les jeux qui sont proposés sur la console. On s'en fout de quel jeu c'est. C'est pas censé casser aussi facilement. Donc c'est quand même malheureux, quoi.
Puis ça coûte quand même, prix d'origine, 80 € la paire de Joy-Con. C'est évidemment pas donné. Je crois qu'en plus, ils étaient un peu touchés sur le prix du Joy-Con tout seul au début. Je pense que c'est encore le cas. C'est que c'était genre 50 balles le Joy-Con seul et 80 € les deux. Les mecs se faisaient vraiment plaisir de ouf. Ouais. Bah après, leur prix, ouais, c'est sûr qu'il est problématique. Mais. En fait, c'est le problème, étant donné que les Joy-Con sont impactés par un problème, effectivement, leur prix est abusé. Mais le prix de base est un poil cher, évidemment. Mais quand on sait que la console en elle-même, ils font pas énormément de marge sur la console, qu'ils font plus leur marge sur les jeux sur le long terme, parce qu'ils se vendent toujours cher leurs jeux, et sur les accessoires qui coûtent extrêmement cher par contre eux. C'est comme. En vrai, la manette Pro, elle coûte 60 balles par contre, mais pour le coup, je trouve qu'elle les vaut carrément. 40 heures de batterie, il n'y a que les gâchettes non analogiques qui font chier. Si, tu peux acheter les Joy-Con à l'unité. Hein. Alors, je sais pas si c'est tous les modèles, mais tu peux. C'est juste que c'est 50 balles le Joy-Con. C'est extrêmement cher. Quand tu l'achètes tout seul, il coûte encore plus cher le Joy-Con. Après, tu peux toujours. Si tu bricoles un petit peu, que tu sais ouvrir un. Alors, moi, je suis nul là-dedans, mais si tu sais le faire, si tu sais ouvrir un Joy-Con et changer une pièce, tu peux. T'as des sites. Comment ils s'appellent? Chips Mod, je sais pas quoi. Attends. Chip and Mods, ce site-là vend plein de pièces détachées de plein de choses. Il est assez vieux d'ailleurs comme site. Beaucoup de pièces détachées d'énormément de consoles. Et il me semble qu'ils font tout ce qu'il faut pour les Joy-Con. Est-ce qu'ils l'ont pas mis sur leur accueil? Nintendo Switch. Réparation Nintendo Switch. Je regarde un petit peu hein, s'ils ont mis les trucs pour les Joy-Con. Je vais taper Joy-Con. Voilà, ils ont des sticks complets, 10 € le stick. Ils ont aussi les rails. Moi j'avais pensé à un moment donné à changer, parce qu'en fait sur mes Joy-Con, avant d'avoir le Joy-Con Drift, j'ai eu un souci. C'est que les LED du Joy-Con droit ne fonctionnaient plus, ensuite les Joy-Con gauche. Ainsi que le bouton de synchronisation, je crois. Non, pas les boutons de synchronisation, mais les boutons à l'intérieur, les LR machin. Sur mon Joy-Con gauche ou droit, je sais plus, ça ne marchait plus. Et il fallait en fait que je remplace entièrement un circuit. Alors je peux le faire en soi. D'ailleurs, je pense que je vais le faire un de ces jours. C'est juste qu'en fait, je ne l'ai pas fait entre temps parce que j'ai acheté des Joy-Con et j'ai pas repensé. Mais je pense que je vais essayer de réparer mes Joy-Con. J'en aurai, à mon avis, pour en tout et pour tout 30 balles pour les réparer. Ils seront plus ou moins comme neufs. Alors que les Joy-Con, ça coûte cher. Donc il y a moyen que je le fasse bientôt. Salut Léo, comment tu vas, mon cher Léo Tendo? Faut regarder un petit peu combien ça me coûterait. Mais je pense vraiment que j'en aurai pour moins cher qu'un Joy-Con à l'unité pour réparer les deux. Donc je pense que je vais le faire. Bah, je sais pas si je le ferai tout de suite, parce que vraiment, faut savoir qu'il y a une chance sur deux pour que je pète mes Joy-Con. Je suis une bille en bricolage type électronique et tout. La seule chose que je sais faire, c'est monter un PC. Et encore, il me faut quand même une petite vidéo derrière qui me réexplique comment on fait. Et voilà, faire du bidouillage électronique, je suis vraiment une quiche. Donc j'essaierai. Je sais que Romain en a fait beaucoup. Il s'est modifié des Game Boy Advance et tout, c'était vachement classe ce qu'il faisait. Il en fait plus en ce moment, je crois, mais bref. Et du coup, je lui demanderai des petits conseils s'il en a ou quoi. Et voilà, j'essaierai de réparer mes Joy-Con. Mais en vrai, si j'y arrive, il faudrait que je vois pour y arriver. J'essaierai de faire ça étape par étape pour Switch Actu en fait, pour faire un petit guide. David arrive au milieu de la conversation, mais c'est quoi le premier Joy-Con? En fait, c'est mes premiers Joy-Con que j'utilise plus depuis un moment maintenant. Ils avaient le Joy-Con Drift. Entre-temps, mes nouveaux Joy-Con, ils n'ont pas eu le problème pour l'instant. Mais en fait, c'est parce que je disais, j'avais pensé à la réparer. Et au final, entre-temps, j'ai racheté juste des Joy-Con, ça allait plus vite. Hop, attendez, je me concentre encore. Je suis désolé, à chaque fois, je me concentre. Du coup, là, mes premiers Joy-Con sont driftés. Et aussi, pardon, les LED ne fonctionnent plus du tout sur les Joy-Con. Et les boutons des tranches du Joy-Con gauche ne marchent plus non plus. Ils sont vraiment morts, hein, ces Joy-Con-là, pour le coup. Mais disons que les LED et les boutons à l'intérieur, je m'en foutais un peu. Parce que je joue pas du tout en mode Joy-Con solo. Ça nous arrivait deux fois avec ma copine dans le train pour jouer à Rocket League, c'est tout. Mais du coup, bon, ça nous. Voilà, c'est pas très grave. Ces trucs-là, je m'en fichais. Les LED, pareil, je m'en battais un peu le steak. Juste, par contre, bah, le Joy-Con Drift, c'est un peu chiant, quoi. Je l'avais mentionné quand je jouais à Minecraft, que j'avançais. C'était avant même toutes les polémiques hein, qu'il y avait eu. Mais du coup, voilà, je me demandais un peu ce qui se passait. Je jouais à Minecraft et mon personnage, il bougeait tout seul sur la gauche, tout le temps. J'avais beau faire ce que je voulais, hein, enlever la poussière, tout le bordel, enfin, essayer d'enlever la poussière, recalibrer et tout, ça marchait pas. À la base, ça partait d'une idée d'un. Oui, c'est ça. Mais il faudra que. Je vais garder cette idée et je vais essayer de contacter 2-3 graphistes là qui. Parce que j'en suis sur Twitter,
qui font des packs d'icônes. Donc faudrait que je joue avec eux combien ça me coûterait et si c'est réalisable. Si ça nous coûte, parce que c'est l'asso qui part, évidemment, c'est pas qui est payé, faut pas déconner. Si c'était pour mon Twitch à moi, je l'aurais fait, mais comme je ne fais rien sur mon Twitch à moi. Du coup, l'asso paiera. Heureusement qu'on a des revenus, je vous jure que putain, ça fait du bien. Au début de ce check-tu, vraiment, on payait tout de notre poche. Henri était déjà là. Ah, j'ai cassé ma canne à pêche. Henri était déjà là quand on faisait encore ça, et jusqu'à, je dirais, 2018, mi-2018 minimum, voire fin 2018. On payait tout de notre poche sur le site, les concours, le serveur, tout, 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 on payait de notre poche. Et au fur et à mesure, on a commencé à mettre un peu de publicité, qui a commencé à nous faire ramener un petit peu d'argent. Et ce qui nous a vraiment sauvé, entre guillemets, c'est l'affiliation. C'est-à-dire que les gens achètent des choses Amazon depuis notre site, ou Fnac et tout, surtout Amazon qui fonctionne. Et du coup, grâce à ça, on peut financer le site sans débourser un seul sou de notre poche. Et c'est extrêmement bien, je vous jure, vraiment, genre ça. C'est génial. Voilà, sachez-le. Et du coup, voilà. On verra. Si c'est utile et réalisable et drôle, on verra pour investir un petit peu de sous dans des émotes. J'aimerais aussi me faire. Parce que je suis. Attendez, hop. Je me concentre encore. Ok. Je suis très nul aussi en design Twitch. Du coup, je n'ai pas fait d'overlay très beau. Vous voyez, c'est quand même très basique et un peu moche hein, ce qu'on a là. Donc ça par contre ça coûtait beaucoup plus cher je pense. Mais il faudrait que je joue avec aussi pareil des graphistes pour nous faire un overlay Switch Actu vraiment unique. Et bien à l'image du site. Alors ça par contre je leur dirais tu vas sur le site et tu te débrouilles. Tu vois ce que c'est notre image et tu nous fais un truc. Quel bâtard. Mais voilà, j'aimerais bien un peu. On verra. Faut que je réfléchisse, on verra quand il y aura peut-être un peu plus de monde dans la communauté Twitch. Mais voilà, ça peut être coolos. Bonjour. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Eh ben, on va pas rester non plus. Oh, une tarentule. Bon, c'est pas une tarentule qui est arrivée en mode j'ai réussi, c'est juste une tarentule, mais. Ok, elle m'a repéré. Mais c'est quand même cool d'avoir une tarentule. Casse-toi, toi. La technique. Alors, normalement, on peut rester appuyé sur le bouton pour préparer le filet. Comme ça. Mais le problème, c'est que du coup, on avance moins vite, en fait, tout simplement. Dès qu'elle commence à bouger un peu, il faut surtout arrêter, sinon elle nous pique et elle disparaît ensuite. À la limite qu'elle nous pique, c'est pas grave, mais qu'elle disparaisse, ça fait chier quand même. Parce que ça coûte 8000. Hop, 8000 clochettes. Elle est belle, hein? J'en ai deux chez moi que j'ai pas vendues. Mais elles sont exposées chez moi. Je suis un peu un monstre. Eh bien, merci beaucoup. Oui, j'ai une canne à pêche normalement. Oui, parfait. Bah allez, on va repêcher quelques poissons, même si c'est des loges d'étang et tout, c'est pas grave. Et puis on va retourner sur mon île. Et Doxan, il faut que tu achètes Animal Crossing, hein. C'est obligatoire hein, pour travailler. Ah putain, pour travailler chez Switch Actu, tu dois avoir Animal Crossing. It's an obligation. C'est vrai. En vrai, Animal Crossing, on ne peut pas ne pas se aimer. Je comprends qu'on soit un peu osef du jeu, mais c'est compliqué de ne pas de détester en fait Animal Crossing. C'est les seuls gens qui détestent, c'est ceux parce qu'on en parle trop à force et qu'ils en ont marre de voir passer alors qu'ils s'en foutent. Mais ils détestent pas le jeu, ils détestent juste la couverture qui est faite avec ce jeu et l'abus des joueurs. Mais détester Animal Crossing, c'est compliqué. Il y a rien de mauvais dans ce jeu. Enfin, rien de mauvais, rien de détestable. Encore une fois, c'est vraiment juste du chill quoi en fait. C'est t'es tranquille. Hop. Tu commences à te convertir, c'est bien. En vrai, je vis un deuxième confinement en n'y jouant pas. Mais non, mais c'est ça. Sincèrement, le jeu aussi sauve des confinements. Regarde, je suis actuellement à 55 heures de jeu. Qu'est-ce que j'ai reçu comme notif? Ok. Je suis à 55 heures de jeu sur Animal Crossing. Et j'ai des amis. Là, hop, 80 heures de jeu. Je sais pas s'il a joué lui, non. Tu sais, c'est une streameuse, elle est à 65 heures de jeu aussi. Dams, on va avoir 40 heures de jeu. Ouais, enfin voilà, tout le monde a. Mais ça m'étonne presque parce que j'ai pas d'amis avec énormément d'heures de jeu. Enfin, énormément. 65 heures, c'est déjà beaucoup, hein. J'ai des notifs depuis putain, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible, j'ai plein de notifs. Bon, bah, je vais rebaisser le son, mais je vois pas si on va se faire un follow. Si quelqu'un follow, n'hésitez pas à dire follow, follow! Comme ça, je saurai. Faudrait que je trouve quelqu'un qui a joué masse. Mais y a personne, c'est pas drôle, ça. Ah, 145 heures, bah voilà! 145 heures de jeu, c'est bien, ça. C'est rigolo.
130 heures de jeu, bah voilà, là on rigole bien. Bien. 130 heures de jeu aussi, bah en fait j'ai juste pas regardé les bonnes personnes. Moi Jake il est. Ah, il a pas encore son décompte. Lucie il a 65, 75 heures de jeu, bah voilà, c'est parfait. 105 heures de jeu. Bref, voilà tout ça pour dire que confinement plus Animal Crossing égale tu passes énormément d'heures sur Animal Crossing, c'est trop bien. En plus, sur ce nouvel épisode, t'as des objectifs légers, mais t'as quand même des objectifs, c'est-à-dire. Sur les anciens, au bout de 2 jours, j'étais là en mode. Attendez 2 secondes. Encore une fois, je me concentre. Ouais. Au bout de 2 jours, j'étais là en mode genre, bon, bah, faut juste que j'aille choper des clochettes à droite à gauche et rembourser mon prêt. C'est un peu toujours le cas, évidemment. Mais il y a des petits objectifs, des petits trucs à faire. C'est-à-dire attirer des gens, remplir tel objectif. Je vais pas vous spoil en fait, mais remplir tel objectif, donner par Tom Nook. Ou alors rembourser telle construction, etc. C'est un peu plus varié, mais c'est toujours aussi chill. Allez, on va rentrer chez moi. Voilà. Hop. Je veux rentrer. Tu veux plier le bagage, remettre le cap sur le rouleau. Sur le toit. Eh ben oui, yo. Pourquoi je prends l'accent marseillais alors qu'il a pas du tout l'accent marseillais? C'est ça, Léo Tenbo, comme tu dis. J'ai jamais accroché à ce type de jeu. Achète-le, tu vas accrocher. Ça passe le temps de fou. Ton confinement, mec, tu vas le vivre. Il va passer à une vitesse ton confinement. Tu vas jouer 10 heures par jour, tu vas rien comprendre. Allez, je vais aller vendre. Il est encore là, hein, j'espère. 21h46. Ouf! Je vais d'abord passer au musée pour aller donner ce que j'ai pas encore donné. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Je bosse, monsieur. Mais alors, monsieur, je bosse. Et ma copine aussi, elle bosse, elle a 70 heures de jeu. Je sais pas comment elle a fait d'ailleurs. Non, en vrai, en plus, je bosse aussi. Bon, je bosse évidemment beaucoup moins que si j'étais à mon travail. Mais déjà, pour Switch Actu, je passe beaucoup de temps sur mon dessus, c'est très cool. Et puis, j'ai 2-3 trucs à côté qui tournent, on va dire. Ça me prend pas beaucoup, beaucoup de temps, mais voilà. Enfin, beaucoup, si. Ça me prend beaucoup de temps, mais pas autant que je l'espérerais. Mais bon. Je voulais pas que tu me parles, en fait. J'ai pas dit le bon truc. Ah oui, d'accord, ok. Le pauvre. Il me fait rire, Thibaut. Non, c'est tout du coup pour moi. Je vais pas vendre ma tortue, l'autre, je vais la mettre chez moi. Pardon? Excusez-moi. Je vais aller vendre du coup les autres trucs. Alors, je vais choper la petite pétale. Le petit. Ah bah, trop tard. Il n'y a plus de pétale. Ah, toi, je t'avais pas encore parlé. Ah bah si, apparemment si. Bah merci, c'est très gentil. Allez, je vais aller vendre tout ça, j'espère me faire beaucoup d'argent. J'apprécie l'argent. Coucou les nooks. Achète-moi des trucs. Alors, donc, on va vendre. Léo, en fait, c'est parce que le live est sur le site, c'est-à-dire que quand les gens viennent sur le site, ils auront une pop-up qui, une fois fermée, ne se réaffiche pas aujourd'hui, mais il y a une pop-up sur le site qui fait que les gens viennent, ils voient le live, ils sont comptés comme spectateurs, en fait, mais du coup, ils ne parlent pas. Et du coup, c'est le gros problème, c'est qu'en même temps, j'ai pas envie de me passer de ça, parce que ça fait quand même un peu de monde, ça fait découvrir aux gens le live. En même temps, du coup, les gens sont pas vraiment sur le live. Et c'est le truc qui me désole un petit peu, c'est que. C'est le problème, c'est qu'à force, bon, ça fait quelques mois maintenant, même si je suis pas non plus le plus gros streamer du monde, je fais que le mercredi, encore quand je peux. Mais ça commence un petit peu à me désoler, un petit peu, si je puis dire, à me déprimer un poil, parce que bon, je vois qu'il y a des gens n'arrivent pas à être intéressés en fait par le live. Et ça m'embête un petit peu quand même. Alors, combien de clochettes? 41 000 clochettes, ça se prend largement. Largement. Et je vais aller mettre la tortue chez moi. Voilà. Je tire mon câble sans vouloir. Oui, ça va venir, c'est sûr, mais bon. Le problème, en fait, c'est que. On a 13 000 abonnés sur Twitter. On a du monde qui passe sur le site. Et malgré tout ça, tu vois, ça ne veut pas. Ça ne. Les gens arrivent. Les gens. Enfin, j'arrive pas à intéresser les gens plus que les gens n'arrivent pas à s'intéresser. Je pense que c'est un peu l'inverse de ce que j'avais dit, mais je veux dire. Je sais pas. Quoi faire? Qu'est-ce qu'ils font, eux?
Bah, je les ai applaudis, du coup, c'est rigolo. C'était mignon. Bravo. Par contre, désolé. Mais il y avait une puce sur elle, et il fallait que je l'attrape. C'est mignon, oui, c'est mignon, c'est drôle. Ça me fait rire. Pardon, pardon. J'ai envie de rester là et les écouter. Je peux leur parler maintenant ou pas? On papote? Sur ce, je vais devoir y aller, passer une bonne soirée. Merci beaucoup Léo d'être passé, c'est très gentil à toi. Et on se dit à très vite, évidemment. Je vais donner la puce au musée. Ah là, il me faut cette pétale, voilà, ce pétale. Je vais aller donner la puce au musée tout de suite. Ce sera fait. Et oui, faire un marathon. Oui. Si c'est pour passer 10 heures. À être tout seul, ça sert pas à grand chose. Alors, la petite puce. Eh oui, en vrai, il faudrait prendre une journée entière. Mais le problème, c'est que déjà, au bout d'une heure et demie, tu vois, parce que là, je vais bientôt arrêter. Au bout d'une heure et demie, je suis déjà crevé. Faudrait que je fasse, ouais, faudrait que je me motive à faire une journée entière. Oui, une journée dans le jeu, c'est une journée IRL, effectivement. C'est l'heure et la vraie heure, et du coup, voilà. Donc, les boutiques ferment à 21h, 22h, les personnages. Font d'autres choses, les insectes, les poissons sont différents au fur et à mesure de la journée, etc. C'est vraiment une journée IRL. Et pareil, les saisons sont les mêmes. La météo, non, évidemment. Mais les saisons sont les mêmes. Et du coup, voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à en dire. Les saisons sont les mêmes, les poissons changent au fur et à mesure, les insectes, pareil. Elles sont encore en train de chanter, elles. Et là, tu vois, les cerisiers comme ça sont en fleurs parce qu'on est en avril. Et qu'au Japon, du coup, les fameux cerisiers en fleurs sont en train doucement d'arriver. Et là voilà. Et si on va prendre un de ces quatre, eh bien, n'hésite pas, mon cher Doxan, n'hésite pas du tout. Je vais mettre ma tortue en liberté chez moi pour voir ce que ça donne. Hop, je vais reprendre ça. Oh, trop bien. Mince. Mais elle bouge ou pas? Parce que si elle est juste comme ça, pirate. Ah mais c'est nul en fait. Ah mais faut la pousser. Mais c'est nul en fait. Mais je veux pas qu'elle vive comme ça, moi. C'est pas ouf. Est-ce que je peux la mettre? Petite curiosité. On va essayer de la mettre quelque part, ce serait plutôt rigolo. Est-ce que je peux la mettre dans le panier? Non, je peux pas la mettre dans le panier, je suis grave déçu. Ah non, ce serait tellement génial. Ah, c'est con. Non, bah du coup, je sais pas, ça m'embête un petit peu en fait de la garder comme ça, en mode elle bouge pas. Du coup, je vais pas la garder dans ma maison. C'est un peu triste, sinon elle fait un peu morte. Et j'aime pas trop les animaux empaillés. Alors que le poisson, dans un tout petit aquarium, j'en ai rien à foutre, hein, évidemment. Quel salaud. Alors, je vais entreposer tous mes os, on va voir combien j'en ai aussi. Enfin, je vais tout ranger là. Hop. Ah, j'ai pas rangé ça. Alors, mes os, je suis à 24 œufs boisés, c'est celui que j'ai le plus. Les œufs aériens, c'est celui que j'ai le moins, bizarrement. Et œufs terrestres, ok, d'accord. Non, mais c'est pas dégueulasse hein, comme score. C'est cool. Je vais aller parler aux voisins, voir s'ils peuvent me donner des plans ou des trucs comme ça, et après on va arrêter. Pardon. Après avoir parlé à tout le monde. Hop. Alors, je vais d'abord aller voir ceux qui sont potentiellement sur la place encore.
Ah, mais non, je suis bête. Attendez, je vais cuire des fruits. Et je vais leur donner. Comme ça, en échange, ils me donneront peut-être des trucs bien. Ouais, je suis un peu dans la cœur, hein. Je leur donne que des fruits, j'en ai rien à faire. C'est pas très gentil de ma part, mais bon. Alors. Ça te ferait plaisir? À 3, je vais donner 3 carrément. Bon, c'est pas grave. Ah, d'accord. Ok. Je n'ai rien eu en échange. Du tout. Peut-être que des cerises, ça va plus t'intéresser. Vu que c'est pas les fruits de base de l'île. Elle sent. Ah non, elle n'a pas pris de l'étroit, l'autre. Mais elle s'est quand même un peu foutue de ma gueule. On va parler à la personne qui est ici, là. Hop, je sais plus son nom. Miles. C'est pour toi. Tiens, une cerise. Ah mais non, mais ils me donnent des clochettes, les cons. C'est pas ce que je veux, moi je veux des plans. Je vais quand même le dire en papote. Ok. Ok. Toi là, Maggie. Voilà pour toi. Une petite cerise, toi aussi. Oh, c'est pareil, une cerise. Il faut vraiment bien semblant d'être gentil. Hein. Un panneau fleuri. Qu'est-ce qu'un panneau fleuri? Pour le coup, ça m'intéresse. On ne peut pas le mettre sur la place, on va le mettre ici. Hop. Ok. Alors, par contre, j'entends. Hop. Où est-il? J'entends un cadeau. Voilà, il est là. Hop. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que j'ai attrapé? Ah, une table faite des œufs. Ça y est, j'ai un nouveau plan. Super, tu as présent machin truc. Alors, à quoi ça ressemble? Ok. En fait, c'est triste parce que c'est vraiment pas beau. Tous ces trucs, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, vu qu'on doit tous les avoir pour avoir un truc à la fin, je sais toujours pas ce que c'est. Eh bien, je vais en profiter, je vais essayer de tous les avoir. Ici, il y a une maison. Il n'y a personne. Je sais même plus où sont les maisons chez moi. Ok, je vais aller voir là-bas. Oh, je suis, ouais. Jennifer est chez elle, je vais aller la voir. Belle maison, en tout cas, Jennifer. Ah, je peux rien lui donner, bon, c'est pas grave. J'aime bien la musique chez elle aussi, c'est quoi? Ok, d'accord, mais dis-moi ce qu'il y a dedans. Ah, Santé Kéké, ok. Je l'aime bien celle-là. Elle est drôle. Ah, j'avais pas vu, putain, voilà, j'avais pas vu. Vu que j'ai plus le son. Firestorm de 926, excuse-moi, pardon, excuse-moi, mais bienvenue sur la chaîne, merci d'avoir follow. Il y a 7 minutes quand même maintenant. Je suis vraiment désolé. En fait, pour t'expliquer, j'avais trop de notifs sur d'autres trucs qui n'avaient rien à voir et je les ai pas coupés, du coup, j'ai juste baissé le son. Et c'était une idée de con parce que du coup, j'avais plus le son des notifs, des follow. En tout cas, bienvenue à toi. Désolé de pas avoir vu. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Mais merci beaucoup en tout cas. J'entends encore un truc, non? Non, ok. Je pensais. Les autres habitants, ici du coup, hop, il n'y en a pas. Attendez, normalement, si on s'arrête, il y a la petite map, voilà. On va aller un peu au-dessus là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non. On va passer par ici du coup, hop. Pas de maison en dessous de ça, il me semble. Non, il n'y en a pas encore en tout cas. Ça, c'est une boutique, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne non plus. Ah, il va me falloir ça ici. Hop. Hop là. Ah, il est 22h, ça y est. Il n'y a personne ici non plus. Bah, dis donc, décidément, il n'y a personne dans les maisons. Hein. Toi, tu n'es pas un villageois. Ici, ah, ici, c'est le lapin de Pâques. Est-ce qu'il y a un truc à me dire ou pas? Non, il n'a rien à me dire. Il fait un peu flipper quand même, je trouve, ce lapin. Je vais pas vous mentir, il est un peu malaisant. Il fait peur plus qu'autre chose.
Alors, ici. Ah, ici, il y a quelqu'un. Qui est-ce donc? Ok, c'est lui. C'est Chico, pardon, j'ai plus les noms. Tu bricoles quoi? Pardon, dessert en bois de fer. C'est une très bonne nouvelle, ça. Je veux bien le. Oui, je veux bien que tu me le donnes. Ça n'a rien à voir avec les trucs de Pâques. Mais en tout cas, c'est très bien quand même, parce que ça m'intéresse. Apprendre. On va aller voir à quoi ça ressemble du coup. Ouais, j'aime bien en vrai. Il y a un meuble que j'aimerais beaucoup faire, mais je peux pas encore. C'est. Où est-ce qu'il est? C'est lui. Et j'ai ni la commode en bois de fer, ni la planche à pain. Du coup, je ne peux pas le faire malheureusement, et ça m'embête vraiment. Mais c'est parce qu'il a là d'ailleurs? Ah non, c'est pas ça. Mais elle est bien, il est bien son petit meuble aussi là. Je la trouve beau ce meuble là. Mais bon, malheureusement. Je ne les ai pas, je n'ai pas ce qu'il faut pour les faire. Alors, on va continuer ici, sans casser les fleurs, tant qu'à faire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais, il y a quelqu'un. Ben, je fais que de bailler, moi. C'est dur la vie d'Animal Crossing. Ah non, lui, il n'a pas encore donné de trucs parce qu'il est en train d'emménager. Ok, nickel. Bah, super nouvelle. Hein. Très content. Pour l'instant, personne m'a donné de plan pour les. Pour Pâques. Hein. Je suis un peu déçu quand même. Et du coup, il n'y a plus personne normalement à aller voir. Bon. Bah, c'est bien malheureux tout ça. Hein. Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Hein. On va juste faire un tour de la plage. On va voir s'il y a des trucs à récupérer. Alors là, aucune idée. Je t'avoue que je ne sais pas du tout s'il y a une référence à Full Metal Alchemist avec l'accent. Je vais faire tous les poissons hein, comme un gros con, mais il est encore là lui. Hop, il y a un cadeau là-bas. Hop, et je vous jure, j'ai le nez qui me gratte, c'est insupportable. Alors, je vais pas faire la bêtise et le faire tomber dans l'eau comme j'ai déjà fait. Oh, et d'accord, il est flippant le lapin. Hop. Ok, c'était un œuf. Mais tant mieux, il me faut des œufs. Et il est tout le temps là quand tu n'y attends pas du tout et il saute. Et il fait peur. Bonjour, je vais te manger en commençant par les pieds. Il fait vraiment très peur. Oh là, ça c'est un gros poisson. Alors, c'est soit un bar commun. Et puis quand je. Ah non, mais regardez, c'était trop bizarre. J'étais loin de lui, mince. Du coup, il a arrêté de bouger, arrêté de sautiller, et il me regardait comme ça de façon un peu livide, de loin. Non, attendez, c'est trop flippant, je vous jure. Je sais pas s'ils ont fait exprès ou pas de le rendre flippant, mais en tout cas, c'est réussi. Attention, bar commun ou pas bar commun? Bar commun, bar commun, bar commun. Et bar commun, enfin bar tout court, pardon, j'ai dit mal, c'est le. Ah non, c'est le bar commun, pardon, pardon. Regardez-le, je m'approche de lui, du coup, il va me suivre du regard. Je vais me reculer. Oh non! En fait, on dirait qu'il joue vraiment un rôle et que du coup, il est fatigué. Ah ouais, ça fait penser à ça. Ah mais ouais, en fait, genre, il en a marre de sa vie, le pauvre. Dès qu'on s'approche, il est ultra superficiel, le pauvre. Du coup, dès qu'on s'approche, il sautille un petit peu. Et dès qu'on se recule, il est épuisé. C'est quoi? Il me fait de la peine. Du coup, je vais l'applaudir. Bravo. Tu fais un super métier. Il me fait moins peur d'un coup, il me fait juste de la peine, le pauvre. Bravo, mec, super. T'es vraiment un génie. Tiens, je vais même. Ah, oh, je suis très content de te voir. Je vais te dire bonjour, même. Bonjour. Et je vais être étonné. Et t'en as absolument rien à foutre. Je vais rire, mais tu t'en bats les couilles. Je vais m'excuser parce que j'aurais pas dû rigoler. En même temps, j'aurais un petit rire suffisant. Oh! Celui-là, il a vu celui-là. Ah non, il s'en bat les steaks. Ouais, je pense qu'il est mort à l'intérieur, en fait. Sa seule réponse, on va commencer à danser, mais quel psychopathe, putain! C'est pas possible. C'est un vrai psychopathe.
Je vais voir s'il n'y a pas une bouteille à la mer. Et ensuite, j'arrête. Il n'y a pas un gros poisson là, non? Non, tant pis. Parce que le poisson que je cherche est proche des pontons. Du coup, au ponton, je cours un peu moins vite. Quand même. Hop, ici. Non plus. Je vais même pas courir moins vite d'ailleurs. Non, j'ai flemme de faire toute la plage. On va s'asseoir ici. Hop. Et sur ce. Et voilà. Sur ce, messieurs, dames, je vais vous remercier d'être passé sur le live de Switch Actu de ce 1er avril 2020. On se dit, si tout se passe bien, un mercredi prochain, normalement. Je vais me mettre comme ça. À mercredi prochain, si tout se passe bien. On verra pour quel jeu on sera le 7, je crois. Du coup, le 8, pardon. J'aurai pas encore de bêta pour Vigor, malheureusement. Du coup, on rejouera potentiellement à Animal Crossing, peut-être avec Romain. On sera le 8? Oui, bah oui, pardon, je viens de le dire, je suis con, on sera le 8. Peut-être Animal Crossing avec Romain, s'il est dispo d'ici là. Dans tous les cas, on refera un petit bilan de l'actu de la semaine. Voilà, j'espère que le live a plu à celles et ceux qui sont là. Je redis merci à... Attention, que je retrouve les noms. À... Mitsimrchen, à Banane de l'Espace et à Firestorm. D'avoir follow la chaîne, c'est très cool. On avance doucement des 250 follow. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt sur Switch Actu, sur le site et sur tous les réseaux, et sur Instagram, et sur Twitter, et sur Facebook, et sur Discord, et sur Twitch, du coup. Et à bientôt, messieurs, dames. Au revoir. Des bisous.